Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve pour l'épisode 18 de l'event FF8, le lion endormi. Et aujourd'hui on s'attaque à l'épisode 3 de la première partie, Palamicia. Le Cid devra bientôt voler de ses propres ailes. Le lion sera-t-il capable de renvoyer la nécromancienne d'où elle vient? Allez, en plus si on y est, on va lancer ça. On devrait revoir un petit topo de ce qui est, de comment c'est fini la partie 2 de l'épisode 2, oui c'est ça. Je suis en train de réfléchir au truc, donc... それとも、あんたも破滅に取り憑かれたか。お兄様、やめてください。シードを殺す。それが魔女の命だ。あんたも魔女の騎士か。 魔女の騎士。まあそんなところだ。ともかく魔女の命であんたを殺しに来たんだ。やめだ。どういう意味だ。弱すぎる。どうあがいても魔女には勝てず、時間圧縮に飲まれて死ぬ。俺が手を下すまでも。 おい。せいぜいあがく。何も言い返せなかった。俺たちは魔女に負けた。魔女を倒す力を得るため、俺は自分の記憶と向き合うことになる。 記憶の中のガーデンに所属し、魔女を倒せるシードを目指す。そういう計画だった。だが、魔女の騎士に襲われて、記憶のガーデンを砕けてしまった。俺はシードになれなかった。魔女を倒す力を得られなかった。認めるしかない。現実だ。 Un monde sans faux semblants. Placez Squall dans votre deck principal pour pouvoir continuer. Il n'est pas possible d'avoir recours à des decks secondaires dans cet épisode, mais vous pouvez utiliser des attaques secondaires. Puisez dans les ressources de Squall pour remporter la victoire. Eh bien, on est reparti. Voilà, hop, on est reparti avec toujours et encore le même équipement au niveau des cartes. Grand lancer de méga reflet, est-ce que c'est vraiment efficace ce truc? Thank you.
C'est quand même assez bizarre, ce guerrier de lumière qui agit de la sorte, je... Il y a quelque chose de louche derrière. Oh, c'est une mise en scène exprès pour pousser Squall à se remettre en question, à replonger au plus profond de lui-même pour vraiment réussir à retrouver sa confiance, sa force pour vaincre Ultimecia, ou soit ça a vraiment changé de bord. C'est qu'on pourrait croire qu'elle parle de son frangin, mais est-ce que c'est vraiment le frangin dont elle parle? Telle est la question. Bon, ça m'étonne que ce soit la seconde option où il est vraiment devenu le vrai, voilà, veux dire, le vrai laquais, quoi, on va dire. Ça m'étonnerait fortement. Bon, à partir du moment où il y a une assistance comme ça, ça va aller tout seul, hein. Bon, dans l'idée, de toute façon, ouais, tout, là, j'ai tout qui a tout appris. Enfin, tous les traits ont été débloqués plutôt, c'est surtout ça l'idée en fait. De toute façon, on en sera plus avec en progressant, hein, ça c'est sûr. Même votre frère n'a pas eu la force de résister Ultimecia. Ça va aller? Non, ça ne va pas du tout. Je n'arrive pas à croire qu'il ait été si pathétique. Ah, ça, pour sauver le monde, il est champion. Mais au premier joli minois venu, il plie le genou. Ça, pour en entendre parler, il va en entendre parler. Par exemple, semble un peu excessive. Mais bon, elle est saine et sauve, c'est l'essentiel. Enfin, ce n'est pas la peine de se mettre dans une colère pareille. Il ne l'a pas fait exprès. Qu'est-ce qui ne va pas? Il va falloir qu'on redouble de prudence et qu'on garde la tête froide, même après ce qui vient de se passer. Je comprends, mais nous devons aussi retrouver mon frère avant qu'il ne lui arrive malheur.
C'est une vraie jouette, ma parole. Boum. Ouais, ça a une rotation d'attaque prédéterminée a priori. C'est qu'elle a fait très mal, hein, la petite Sarah. Hein. Oh, les ruines de Sentra.
Ah, carrément. Voilà, ça c'est une attaque en duo qui fait des ravages. Donc c'est cool. Un gros dragon. Il est tout seul ou pas le gros dragon? Bah écoute, meurs. Hein. On a du tir fatal qui tue sur le coup, donc on y va. On va pas s'embêter plus que ça. Trois éthers. Ah, classement des sites de plus 1. Nice. 45 millions de gil, 20 cristaux. Pas mal. Je vais faire la horde de monstres comme on a pu, comme j'ai pu le voir. Bah c'est genre, elle fuit un mec et ça discute tranquille alors que le mec est censé arriver quand même. Hein. Je veux pas dire, mais. Ok, au moins il a cul. C'est n'importe quoi.
entre les propos et la réalité des trucs, c'est complètement nul. Il est parti par là, venez. Palamécia est condamné si on ne le rattrape pas. Du calme, Sophie. Aucun chalier, aussi puissant soit-il, ne détruira le monde à lui seul. Petit joueur, moi qui m'attendais à ce que tu gonfles le torse et que tu affirmes pouvoir le hacher menu. Et la voilà partie sans me laisser le temps de répondre. Mieux vaut la suivre. Bon, on est parti sur quelques combats rigolos. Déjà ça, on va voler. On va abuser de tout ça. Traitement Kuchi Kuchi. Oh là là, mais c'est quoi ces trucs? Ah mais du coup c'est Sophie a pris la place de Amaze. C'est quoi toutes ces cartes? Je sais même pas si je les sais ou pas. Avec les noms, je sais même pas si... Oh là là, mais il a vu, quoi. Pardon, c'est ça que je voulais que je fasse d'abord. Je sais même pas de quel élément c'est ce truc non plus. C'est quand même bien abusé tout ça. Ouais, d'accord, c'est Sophie qui est en pole position. Du coup, c'est elle qui apparaît dans les combats, ok. La vache, Bristibia quoi, sans déconner. Ok, il n'y a pas de vindicte ici.
Bon, ok, ça c'est bon. Allez, une troisième. Ouais, il va bien y avoir une troisième. Non, d'accord, ok, il n'y a pas de vindicte ici. Ah oui, c'est vrai que ça consomme pas de tour d'action ce truc. Donc traitement coup de chi suivi de son ulti, ça fait que c'est abusé. Allez, toi. Merci. Oh, c'est que ça le boss. Ah, pardon, oui, ça va, ça va. Il est bien accompagné quand même. Pourquoi t'attaquer lui? C'est l'autre qu'il fallait taper. Voilà, ça fait bien plaisir tout ça, dans tous les cas. Et le chevalier acculé. On doit avoir un up de rancide a priori. Trois éclats de portail, 5 tickets de compétences.
Classement des seeds plus 1. Déjà ? Ah mince ! 50 millions de giles, 9 tablettes mystiques. Ils auraient rôdé quelque part dans le coin. Je vais aller voir ça. Sophie, tu restes ici. Tu comptes l'affronter tout seul ? Il m'a traité de faible. Je vais lui faire ravaler ses mots. Tu lui as parlé ? Vous vous êtes croisé à la fac ? Hein, quoi ? La fac ? Bref, on en reparlera à mon retour. Graf, le chevalier de nécromancienne. C'est bien ça. なりそこね。グラフ。大事なルーンは粉々になっちまったんだってな。思い出のガーデンがなくなって、時不足かいて。あんたこそ魔女の騎士はどうした？さっき別の騎士に会ったぞ。俺以外の魔女の騎士ね。 魔女に捨てられたんじゃないのか。魔女が俺を捨てた。そうだ。魔女はあんたを捨てて別の騎士を選んだ。分かってねえな。捨てる捨てないじゃねえ。合うか合わないかだ。魔女が騎士を変えたなら 俺のやり方が合わなかったんだろうな。俺は戦う場所が欲しいだけ。前にも言ったじゃねえか。魔女に忠誠を誓ってはいないのか。信頼だの忠誠だの、正直鼻から興味ねえ。だが俺は魔女についちまった。ついたからには勝ってみせるさ。 もう戻れねえんだよ。悪いな。そうか。なら俺もあんたに勝ってみせよう。Allez, le duel à mort. Voilà, comme ça, on lui colle le petit. Non, moi j'ai juste, volé et puis tapé, hein.
Non. 10 paires d'ennemis aux quatre coins. Non, je veux pas qu'il dégage. Je veux le tuer.戦士の恥だな。煮るなり焼くなり好きにしろ。いや、あんたは殺さない。俺たちと一緒に来てくれ。はあ。煮るなり焼くなり俺の好きにしていいんだろ。お前、話聞いてたか。もう戻れねえって言ったぞ、俺は。今更ガーデンのお友達に戻れってのか。戻れなんて言ってない。進むんだ。あんた、それともここで終わりたいのか。俺は戦いたいだけだ。戻るも進むも終わるも。だったらなおさらだ。一緒に来れば戦える。しかも相手は魔女だからな。遠慮なしにぶっ飛ばせ。騎士の主君をぶっ飛ばせるかよ。主君への忠言も騎士の務めだろ。あんた結構作詞。 Bon, ouais, la classe en 2 6 plus 1, ça va être... Voilà, ça je m'en doutais bien. Donc on va retourner au point de départ. 60 millions de gil, l'œuf de croissance. Ah, oups. De quoi, je suis plein en argent? Non. Ah oui. Ah oui, il faut quand même que je fasse des achats un petit peu par là. D'accord, ben je vais en faire. Ça c'est que... Ah, il y a qu'ici en fait où il y a des trucs à. On va acheter les cartes de fractal alors un petit peu. C'est vrai que j'avais pas percuté ça. Vu le nombre de rancides à choper encore. Bref, donc on va aller faire des petits tirages. Et vu un petit peu comment ça se goupille, on va faire des tirages. Invocation compensatoire. Voilà, parce qu'il y a eu rapport du coup à des tirages que vous avez pu voir que j'ai fait plus tôt dans l'event. Mais en fait, il manquait la nouvelle suprême et le nouveau héros ultime, Squall. Donc du coup, ils ont mis en place une invocation compensatoire pour du coup obtenir. Ou du coup, la suprême et le héros ultime, c'est forcément. Enfin, du coup, le héros ultime, c'est forcément Squall, Leonhardt, et la suprême, c'est forcément Chronos. Mais après, on peut choper n'importe quelle carte parmi toutes les autres cartes de compétences existantes. Donc sa nouvelle carte, Fortuna, bon. Et elle est 3.
Ouais, c'est pas une nouvelle carte, ça. Yep. Et donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour cette fois-ci. On se retrouve la prochaine fois pour poursuivre notre progression et voir un petit peu qu'est-ce qui nous attend encore plus tard. Je vous dis à bientôt tout le monde, et d'ici là, portez-vous bien.